Bonjour, moi c'est Dukinchin Joseph, maintenant votre professeur de physique, maintenant mécanique. Nous allons aller résoudre quelques exercices typiques dans le baccalauréat avec vous comme d'habitude. Maintenant, nous allons voir les grands points que vous avez connus. Nous allons expliquer et puis pour nous faire exercice, et surtout pendant que nous faisons exercice. Pour gagner accès avec exercice, c'est-à-dire pour caler, ou regarder un lien qui passe en bas de la vidéo, à cliquer sur lui et le rentrer si vous voulez télécharger. Et documents, ou du moins sur Khalil, et puis pour nous avancer. Maintenant, pour finir faire ça, on va venir suivre résolution exercice ça. Maintenant, on a fait problème 1. Qui ça, problème 1 dit? Il dit un élève de terminale veut étudier le mouvement de la fléchette d'un pistolet, d'accord? À partir d'une altitude de 1,75 mètres. Là, il y a une altitude là qui c'est H 1,75 mètres. Ça veut dire, mon les camper en hauteur de 1,75 mètres par rapport au sol, c'est-à-dire sol là, il niveau en bas et puis le camper. C'est comme quoi, on camper et puis même, c'est même qu'à lancer fléchette là. Donc, il a commencé et étudier le mouvement ça, c'est à partir de même, qui est à 1,75 mètres du sol, d'accord? Il lance la fléchette verticalement vers le haut, d'accord? Maintenant, fléchette là, il lance verticalement vers le haut, c'est-à-dire il lance tout droit. Pas de problème. Avec une vitesse initiale de 5,0 mètres par seconde, c'est-à-dire vitesse initiale, il a lancé fléchette là, c'est 5,0 mètres par seconde, d'accord? Et on considère l'action de l'air négligeable, c'est-à-dire et pas d'action d'air, c'est-à-dire action de l'air négligeable. Il dit déterminer les caractéristiques de l'accélération du centre d'inertie G de la fléchette. Il dit qui ça veut dire? Il dit déterminer les caractéristiques de l'accélération du centre d'inertie G de la fléchette. Pas de problème. D'abord, comment on va comprendre l'exercice? D'abord, son exercice côté mouvement, seul ça qui est important, c'est la gravité. C'est-à-dire, c'est l'action du poids. Yo néglige résistance de l'air, là. Pas de problème. Mais mouvement, ça, son mouvement qu'a fait suivant la verticale seulement. Voilà. Qui est différent de l'autre problème que nous avons gagné, qui c'est mouvement des projectiles. Pour qu'à décomposer toujours en deux mouvements, un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Ça, c'est pour le type de mouvement des projectiles. Maintenant, pour le mouvement suivant la verticale uniquement, donc, on va seulement gagner pour tenir compte de vitesse et verticale et position suivant la verticale. D'accord? Maintenant, et qui ça nous connaît de accélération? Qui ça nous connaît? Il y a des expériences qui montrent que il met tout corps qu'il lance dans l'air ou là, l'a subi une accélération, c'est-à-dire l'a accéléré avec une accélération qui est léger, qui est le bâtard, et n'a pas expliqué. Maintenant, puisque nous connaissons l'accélération, la notion d'accélération, c'est une notion qui est extrêmement importante, et nous étudions qui ça dit, accélération, c'est un vecteur lié. Or, nous connaissons un vecteur lié à quatre caractéristiques, lié à direction, point d'application, sens et intensité. Donc, dès lors, nous voyons que la première question, ça, elle fait sens. Maintenant que vous demandez pour nous déterminer les caractéristiques de l'accélération. Maintenant, et mouvement, nous avons rappelé son mouvement vertical. Maintenant, si nous voulons bailler caractéristiques et accélération, hein, et même ça, nous connaissons, oui. Nous connaissons accélération, li verticale, direction, d'abord, point d'application est au bon nom. Je dis déterminer les caractéristiques de l'accélération du centre d'inertie G de la fléchette. Ça veut dire, fléchette là, d'abord, li pas un point matériel. Mais en physique, le plus souvent, les NAP étudient des problèmes, nous assimiler objet à, ou solide là, en point matériel. Ou là, nous assimiler fléchette là, en point matériel. Et point matériel, ça, l'a produit avec centre d'inertie, pour qui devant, il y a parlé tout de centre de masse. Ou là, centre de masse, fléchette là. Mais on dit centre d'inertie. Maintenant, centre d'inertie, c'est lui-même, nous allons étudier son point. Donc, nous assimiler objet avec ces fléchettes là, en centre d'inertie, hein, à première vue là. Maintenant, centre d'inertie, c'est lui qui est point d'application pour nous. D'accord? Première caractéristique là, c'est point d'application, c'est centre d'inertie. Pas de problème. Point d'application, c'est centre d'inertie. D'accord? Parce qu'il va assimiler à un point matériel. Pas de problème. Maintenant, pour l'autre caractéristique, direction par exemple. Maintenant, puisque mouvement fait seulement suivant la verticale, ou là, on a dit direction accélération, c'est direction verticale. Maintenant, sens accélération, le problème, c'est ça qui va faire problème dans une vie intéressante. Sens accélération, d'accord. Maintenant, si nous avons un exemple que nous prenons un morceau de cresse, nous lançons vers le haut. Ou d'accord avec immédiatement que nous lançons un morceau de cresse vers le haut, après ils vont côté, le pape qui a monté encore, là, pour obliger de descendre.
Et mais donc et ça qui est bien important encore, même si me te voulez bien fort, après ils vont les la monter, la venir douce, les aller doucement, et puis après ils vont côté le pas monter encore. Et mais quand il va poser une question sur problème ça, les lui vient en l'air. Maintenant ça veut dire le pas monter encore. Nous voilà ça veut dire et puis devant donc rester jusqu'à la fin vidéo pour que ça veut dire le pas monter encore. Et mais donc et mais s'il t'est allé bien fort, il commence à aller doucement jusqu'à ce qu'il pas monter encore. Et mais donc où est là gain en force que nous parler les forces d'attraction, ça est plus dans dynamique, on force d'attraction qui exerce sur objet qui fait que il a réduit de vitesse ou là il va aller plus lentement ou là donc lorsque me lance vers le obligatoirement supposé qu'ils vont côté pour descendre pas gain menti la donne à moins que puis devant dans l'en passer classe terminale il va parler de trajectoire parabolique des mouvements ou là des corps qui pourrait aller qui pas tourner encore des comètes ou là des comètes par exemple des comètes de Halley, des comètes de Halpop, etc. Donc ça a dépassé niveau filoua. Mais pour l'instant donc immédiatement que me lancer encore vers le me connaît la tourner vinn jeune moi ou là me connaît après un temps quelconque la tourner vinn jeune moi. Et mais donc qui ça veut dire les que rivé en l'air encore les la descendre vinn plus fort que Jean t'a venir ou là descendre plus rapide toujours. Ou là, elle descend plus rapide. Eh bien, notion d'accélération, c'est qui ça lié? Accélération, par définition, c'est la variation de vitesse. Ou d'accord avec? Notion d'accélération, c'est tout simplement la variation de vitesse. Une machine qui va accélérer, c'est tout simplement une machine qui va changer de vitesse. Ou d'accord? Une machine qui va accélérer, c'est tout simplement une machine qui va changer de vitesse. Et ce soit lié à aller plus rapide ou bien lié à aller moins lent. Donc, on va parler de accélération. Eh bien, donc, c'est même cas ça tout, les objets après aller. Donc, la changer de vitesse, il va aller plus lentement et les rives vont côté, il commence à descendre plus rapide que Jean tape monter. Et mais ça veut dire. Donc les lap monter, la diminuer de vitesse. Donc où est là bon accélération parce qu'il y a une variation de vitesse. Ou là, les lap monter là où la vitesse a diminué. Donc puisque vitesse a diminué, donc il y a une variation de vitesse et cette variation de vitesse ça va produire ce qu'on appelle une accélération. Ou là, bien accélération ça pas de problème. La diminution de vitesse, bien accélération ça qui ni doué puisqu'il y a une diminution de vitesse, nous connaît en théoriquement vitesse ça doué de en sens opposé avec l'accélération. Parce que pour qui ça? Si accélération te gain même sans sa vitesse là, donc vitesse ça s'est augmenté, elle t'a augmenté. C'est ça oui. Si accélération te gain même sans sa vitesse ça t'a augmenté et dès lors, nous t'a parlé de même sens entre vitesse avec accélération. Mais puisque nous connaît objet aller la monter, là aller plus lentement, donc accélération là si vitesse nous on les pointe vers le haut, j'ai dit là, on dit vitesse nous on pointe vers le haut dans l'exercice là. Donc nous connaît effectivement accélération, il doit diriger vers le bas parce que vitesse ça te dirige vers le haut. Donc accélération dirigé vers le bas. Donc nous avons une sens accélération là oui. Donc accélération dirigé vers le bas. Mais bon l'autre gens encore tu as vérifier ça oui dans descendre dans monter oui accélération dirigé vers le bas. Donc dans monter dans descendre encore car oui sens accélération. Donc à tout instant donc nous allons conclure de sens accélération. Regardez. Vitesse et objet arrive en côté pas monter encore. Nous dit tout à l'heure nous va expliquer ça qui fait le bac à monter encore ça veut dire donc les lap descendent elle descend plus rapide brou ou café expérience ils descendent bien rapide et bien c'est qui ça lié vitesse ça arrive en côté par contre qui ça est égal tout à l'heure elle connaît donc et les lap descendent ils viennent plus fort ça veut dire viennent plus fort physiquement ça veut dire vitesse augmentée ou la vitesse augmentée mais puisque la vitesse est varie là c'est-à-dire la vitesse augmente donc il y a ce qu'on appelle l'accélération la production d'une accélération et mais puisque la vitesse c'est augmentée la augmenter s'il vous plaît dans descendre non et mais objet a dirigé vers le bas donc vitesse est dirigée vers le bas et donc la vitesse augmente et mais puisque la vitesse augmente donc l'accélération a le même sens que la vitesse et mais puisque l'accélération a le même sens que la vitesse or la vitesse est dirige vers le bas donc l'accélération encore une fois dirige vers le bas donc deux cas ça fait nous accélération non mouvement suivant la verticale donc obligé dirigé vers le bas donc ça est extrêmement important sens là c'est vers le bas sens accélération c'est vers le bas donc nous j'ai trois caractéristiques accélération maintenant dernière caractéristique là qui c'est module là ça nous les intensité là donc expérimentalement nous démontrer que tout connaître ou là qui lance vers le haut tout corps qui lance vers le haut donc soumettre avec une accélération de 9.8 ça vraiment si la donne expérimentalement nous déterminer ça les nous lancer deux corps vers le haut donc en négligeant ou là la résistance de l'air donc deux corps ça va se mettre avec même accélération qui c'est 9.8 donc vraiment si la donne module l'accélération c'est tout simplement 9.8 mètres par seconde carré d'accord donc et bien quatre caractéristiques ça
Donc à résumer non seul ces égalité a oui regardez qui ça regardez qui j'en d'avoir écrit quatre caractéristiques ça a résumer non seul et égalité a accélération on relé A par exemple accélération qui c'est a nous dit l'égal à moins gj regardez pour nous ouais non direction puisque me dit les seulement bon composant suivant la base j les non repère o x y z donc ijk qui c'est vecteur de base yo donc nous elle gain composant seulement suivant j c'est-à-dire suivant la verticale donc direction effectivement c'est verticale moins là ça veut dire si me dit j repère moi vers le haut moins ça dit la diriger vers le bas donc moins ça veut dire distance vers le bas et j c'est norme là qui c'est j égale à 9.8 mètres par seconde carré. Voilà, moins 9.8 mètres par seconde carré, d'accord? Donc ça c'est un résumé. Donc on a écrit comme ça, moins 9.8 J en mètres par seconde carré, d'accord? OK, pas de problème. Donc l'exercice se comprend maintenant depuis la première question. Maintenant, on va entamer la deuxième question. Qu'est-ce qu'elle dit? On choisit un axe OZ vertical orienté vers le haut, d'accord? On choisit un axe OZ là, c'est autre choisi pour moi. Mais moi-même dès qu'à choisir toi après problème ça, il y a différentes façons de déca résoudre. On choisit un axe OZ vertical orienté vers le haut, je choisis un axe OZ meni, mais si me prend O c'est origine repère moyen, et mais Z et mais meni axe OZ moi le diriger vers le haut. Et mais bon, comme c'est J, nous toujours prend J comme vecteur unitaire là, mais comme c'est Z de préférence là parler de Y, yo dit J, là parler de Z, yo dit K, mais ça va problème. Donc nous dit J pointé vers le haut comme vecteur de base là. Mais on élève K mettre K pour le respecter et sa et notation habituelle là, mais c'est qui pas problème. Maintenant on choisit un axe Z vertical orienté vers le haut, d'accord, m'orienter vers le haut dont l'origine est située au niveau du sol. Voilà, là est située origine repère moyen pour moi au niveau du sol. Quand il y a situé au niveau du sol, nous tout connaît que à hauteur de lancer fléchette là, c'est pas à hauteur de 0, donc c'est en hauteur de 1.75 mètres. Ou là, mais on l'autre élève tout si on pas choisi origine pour il était résoudre problème dans l'autre façon, hein. Qui j'en t'a pas choisi, qui j'en t'a pas résoudre s'il te voulait, il était qu'à mettre origine repère là, côté où commencer lancer ou là côté où commencer lancer. Yo commencé à lancer fléchette là, ça veut dire dans point 1.75 ans, ou lui mettre au bas du sol, il était qu'à mettre en l'air ou là, laisse ça ti en bas, t'as bra distance en sol là avec en l'air, en bas t'as bien pour ordonner moins 1.75 parce qu'il t'a dans partie négative là. Mais faut qu'on connaisse ça va faire. Ça veut dire gain des résultats t'as bra joindre qui pas même avec l'autre élève là, mais tous les deux et tous les deux exercices t'as bon, mais faut qu'on connaisse qui j'en t'as l'interpréter. Mais yo mette origine repère là au niveau du sol qui pas problème donc à résoudre les comme ça tout. Yo dit écrire les expressions de la vitesse ou là écrire les expressions de la vitesse v de t et de l'abscisse z de t du centre de gravité de la fléchette, pas de problème. Maintenant vitesse v de t am ka écrire lui, il suffit que me connais qui sa accélération instantanée à par définition qui s'allie. L'autre problème, l'autre bagaille qui gagne existe encore, donc c'est un mouvement accéléré, son mouvement uniformément accéléré. Ou là, son mouvement uniformément accéléré. Pour qui ça? Parce que accélération là, elle est constante, oui, parce que n'est pas dépend de t. C'est accélération là, elle est constante et la fait suivant la verticale. Ça veut dire accélération, elle est constante. Ça, son mouvement uniformément a accéléré, puisque la fait en ligne droite. OK. Donc, puisque son mouvement uniformément accéléré, nous connaissons accélération les constantes. Eh bien, donc nous connaissons accélération instantanée théoriquement, bien sûr théoriquement, l'accélération instantanée est égale ou là à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et bien, ça nous connaît. Nous connaissons l'accélération instantanée est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Maintenant, dire que l'accélération la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Maintenant, si on m'a dit me donner l'expression de la vitesse, donc un cabaille, il suffit que ou là nous allons passer d'une relation vectorielle à une relation scalaire qui pas problème. Accélération connaît le bon seul composant suivant la verticale. Vitesse en tout donc la bon seul composant suivant la verticale. Donc on va passer de d'une relation vectorielle à une relation et scalaire, pas de problème. Donc ça veut dire on va mettre moins gj, d'accord, moins gj égale à dv ou là dvyj par rapport à temps. Donc en comparant en bas même, c'est-à-dire en comparant cette valeur là, donc on aura moins g égale à dvy ou d'accord même dvy par rapport à temps. Et maintenant lorsqu'on
lorsque nous faisons règle de proportionnalité, nous avons DV, c'est-à-dire produit en quoi? DVY, là, égal à moins GDT. Oula, moins G. Oula, GDT maintenant. Et pour une vitesse, il suffit que nous intégrer, ou là, il suffit que nous intégrer parce que j'ai vitesse, j'ai un élément différentiel et mon élément différentiel là. Il suffit que nous intégrer à deux dates quelconques. Ou là, bon, pour exercice ça, nous allons intégrer en t égale à 0, à t. C'est-à-dire, l'aime faire ça qui semble dire, me dit que, problème, moi, je commence à l'instant t égale à 0. Ou là, d'accord, là ou là, ces fléchettes là, je suppose que je chronomètre l'aime à t égale à 0. Ou d'accord, je suppose que je chronomètre l'aime à t égale à 0. Donc, en intégrant deux instants quelconques là, mais deux instants ça, c'est une là, c'est t égale à 0, à un temps qui me relève, qui est en finale. Ou là, l'aime intégré à deux temps quelconques là, ma bien pour les élèves qui ont déjà suivi le cours d'intégrale en mathématiques. Donc, là, nous intégrons en deux instants là, n'a bien V0, n'a pas été grand V0 à VY, DV, on va mettre DV. Bon, Y là, nous devons parler, nous devons dire pour nous faire connaître suivant l'axe des ordonnées. Donc, si nous voulons, nous allons retirer, et puis là, nous allons mettre VY0 pour nous signifier que suivant l'axe des ordonnées. Maintenant, DV égal à, l'en était grand deux instants quelconque là, bas c'est en 0, n'a pas été grand 0 en date quelconque, moins G. Moins GDT, ou là, moins GDT, et bien pas un problème. Maintenant, l'en a pété gris, différentiel, c'est-à-dire là, c'est comme si je gagne une fois DV, c'est-à-dire je gagne constante, donc là, ça implique directement, je gagne V, ou là, V cap compris entre VY0 et VY, ou là, et puis il y a égal à moins. Ou là, toujours en constante, pas de problème, toujours en constante. Là, bah, c'est moins GT. N'a pas intégré entre 0 et T. Maintenant, élève qui suivent cours sous notion de intégrale, a vraiment, ouais, effectivement, qui ça nous fait. Maintenant, laisse ça, n'a bien VY moins VY0. Là, égal à moins. Maintenant, là, nous fait moins GT moins G fois 0. Là, bah, moins GT. Moins GT. Et puis donc, l'intransposé, nous avons VY égal à VY0 moins GT. Et mais maintenant, je dis pour nous débattre expression vitesse en fonction de temps. Et bien, mais expression vitesse en fonction de temps. D'accord? Et si nous voulons, puisque nous comptons valeur, nous comptons quelques valeurs, nous avons toujours remplacé par valeur. Qui sa vitesse initiale là? Je t'ai lancé là en vitesse de 5 mètres par seconde. Donc, V. En tout instant, c'est 5 moins... Oh, nous comptons G. Nous comptons G qui c'est 9.8. Donc, c'est 5 moins 9.8 T. Donc, qu'est-ce qu'on connaît. Maintenant, je dis, écrire l'abscisse Z2T du centre de gravité de la fléchette. Eh bien, nous avons dit, c'est qui ça nous connaît. J'en dis qu'on est accélération, c'est dérivé. Accélération instantanée, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. De même, la vitesse instantanée sera quoi alors? La dérivée de la position par rapport au temps. Ou là, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Eh bien, connaissant V, donc on a écrit relation pour DV, nous connaissons V, vitesse instantanée. Vitesse, c'est-à-dire vitesse à tout instant. Mais vitesse, ça veut dire si au bam t égal à 3 secondes, ma cage une vitesse. Si au bam t qui égal à 4 secondes, il suffit que je remplace ma cage une vitesse. Mais donc, nous avons cette relation, la vitesse instantanée. Maintenant, connaissant la vitesse instantanée qui est dérivée de la position, maintenant, au lieu de mettre x là, donc puisque nous avons les ordonnées à z, donc c'est dz par rapport à temps. Donc, vous d'accord que je retire la relation vectorielle là, tout simplement parce que je suis passé d'une relation scalaire. Parce que la fait tout simplement sur un seul axe. Pas de problème. Maintenant, V égale DZ par rapport à DT. Maintenant, qui ça, Z la pralier kounia? Les nous transposer, les nous faire produire en quoi? On a bien DZ, D égale à V de T. Maintenant, Z, et bien Z c'est pral qui ça? C'est pral intégrale de V de T, c'est-à-dire en primitive de V de T. C'est toujours la même relation. Parce que les mêmes intégrants en deux instants quelconques, là, m'a trouvé même travail ça. Les mêmes intégrants en deux instants quelconques, c'est-à-dire en T égale à 0 en temps quelconque. Donc, m'a gagné même relation ça, qui pas problème. Ça veut dire,
L'aime gain ou plus simplement depuis là directement dans définition de l'intégrale ou bien de définition d'une primitive donc on prend leur relation ça qu'elle font sens donc si me connais vitesse qui c'est dérivé de position par rapport au temps et mais temps et mais position c'est pas primitive de vitesse par rapport au temps et mais accélération c'est qui ça me connais c'est des dérivés de la vitesse par rapport au temps et mais vitesse ça c'est pas primitive de accélération par rapport au temps. D'accord, nous connaissons très bien dérivation anti-primitive et primitive c'est anti-dérivé. Très bien. Donc connaissant cette relation v égale v égale g moins gt, donc on peut trouver et l'expression de z puisque z c'est l'une des primitives de cette relation là. Maintenant z puisque v égale à ça, donc z c'est pas difficile à trouver, donc z c'est quoi que ça, donc z si l'intégrer en deux instants quelconques, par exemple, j'en ai fait à l'air, si l'intégrer en deux instants quelconques, on a bien z moins z0, la égale à primitive entre v de y en t, primitive entre t égale à 0 à t, v de t. Maintenant, de telle sorte que nous avons z moins z0, ou là z moins z0, l'admettez intégrale en 0 et t de v de t. V de t maintenant c'est vy0 moins gt. Moins gt dt. Maintenant, z moins z0. Z moins z0, c'est quoi? C'est v, puisque c'est une constante, donc c'est vy0t, moins primitive de gt, donc c'est tout simplement gt carré sur 2. Maintenant, les élèves qui ont suivi déjà des cours sur l'intégrale, donc, dans pour extrêmement, ça, c'est des bails qui sont basiques. En 0 et t. Maintenant, lorsque nous intégrons, ça va être vy0t moins gt carré sur 2. Donc z moins z0, c'est vy0t moins gt carré sur 2. Maintenant, z est égal à quoi? C'est z0 plus vy0t moins 1 demi gt carré. Maintenant, c'est l'expression de z en fonction de t. D'accord? Maintenant, c'est quoi z0? Eh bien, c'est simple. Z0, c'est la position initiale de la fléchette. Ou là, c'est la position initiale de la fléchette comptée à partir de l'origine. Maintenant, c'est quoi la position initiale de z comptée à partir de l'origine? Il est simple. Maintenant, parce que c'est qui ça le dit? Vous avez lancé fléchette là à partir de un niveau qui c'est 1,75 mètres. C'est-à-dire, la distance entre sol là. Avec côté où tu es lancé là, c'est 1,75 mètres. Eh bien, si nous repérons position ça là, tout simplement, on a besoin de z0 égale à 1,75 mètres qui c'est h. Donc, z0 égale à h, nous, qui c'est 1,75 mètres. Maintenant, c'est clair. Et donc, si nous avons remplacé tout le monde par valeur là, il tape très simple. Il tape bam z qui c'est h, ça veut dire c'est 1,75 plus vy0t. Nous avons vy0, c'est la vitesse initiale, c'est 5. C5T, et puis moins 1 demi GT carré, connaissant G qui est 9.8 en divisant par 2, donc c'est moins 4.9 T carré. Très bien, exactement. Maintenant, ce sont les deux relations qu'on demande. Maintenant, et l'autre façon encore pour ça qui par contre les notions d'intégrale parfaitement bien, il y a une autre façon encore où tu es passer pour jouer une relation sans que tu pas passer par intégrale. Maintenant, là, on a besoin de théorie extrêmement bien. Et pour te passer par ça. Mais, yon ti idée tout simplement, tap kamenon avec mes mots là, c'est qui ça n'est qu'à bas ou? Nous te kadi tout simplement, puisque l'accélération est constante, ou là, puisque l'accélération est constante, donc l'accélération instantanée est égale à l'accélération moyenne, pourquoi pas? L'accélération est constante, c'est-à-dire à chaque instant, il y a deux, si l'accélération c'est 2 mètres par seconde carré, à chaque instant c'est 2, il n'y a pas jamais augmenté, il n'y a pas jamais diminué, d'accord? Ça veut dire constamment la vitesse augmente de 2 mètres par seconde carré, mais c'était moins 2, par exemple, nous avons dit constamment la vitesse diminue de 2 mètres par seconde carré, d'accord? Eh bien, donc, accélération constante, eh bien, si je cherche moyenne des accélérations là, s'il vous plaît, moyenne des accélérations, c'est qui ça le tabier? C'est 2 encore, oui. Par exemple, moi, si nous avons fait moyenne arithmétique en 2, le tabac est 2 plus 2 divisé par 2, etc. Moyenne arithmétique en 2 derniers, tout, c'est toujours 2 plus 2 divisé par 2, le tabac est 2 encore. Alors, dit, lorsque l'accélération est constante, l'accélération moyenne est égale à l'accélération instantanée. Dire que l'accélération moyenne est égale à l'accélération instantanée, eh bien, c'est dire quoi? Eh bien, c'est dire accélération instantanée pour et sans ne pas perdre de généralité, nous avons tout simplement dit l'égal à A.
Et puis AM, c'est quoi l'accélération moyenne? Et bien l'accélération moyenne, c'est la variation entre deux instants quelconques divisé par l'intervalle de temps, c'est-à-dire V final moins V initial divisé par TF moins TI. Maintenant, à ce type d'exercice, c'est quoi? Eh bien, nous connaissons VF, nous dit tout simplement, nous relève V, et VI, nous relève tout simplement VY0, c'est la vitesse initiale, et TF, nous te dit tout simplement, nous notons le T, sans perdre, et sans restreindre la généralité, et TI, qui c'est le temps initial, te dit, nous t'économétrer, et nous t'économétrer, exercice immédiatement à T égale à 0, eh bien, donc, T moins 0. Donc, là, nous fait produire en quoi? Là, nous fait produire en quoi? Nous avons le c'est A, T moins 0, c'est A, T, égale à V moins VY0 et l'en transposé, nous avons gagné V égale à VY0 plus AT et qui c'est comme A égale à moins G, comme A égale à moins G dans ce type d'exercice, donc moins GT et qui t'a valu nous exactement la même formule ou là, donc c'est pour moun qui va connaître la notion d'intégrale parfaitement bien, donc à utiliser après ça ou là, et pour nous déjouer une vitesse là encore. Pour nous déjouer une vitesse à 100, sans ne pas passer par intégrale, sans ne pas passer par ou bien par primitive. Donc, nous avons seulement dit delta x, c'est variation de position. Bon, au contraire, on dit z. Delta z, qui c'est variation de position. C'est d'abord vitesse moyenne à multiplier par delta t en faisant les mêmes considérations. Et puis, nous avons tombé exactement sous formule ça. Ça, c'est pour ça qu'il parle contre notion d'intégrale parfaitement bien. C'est-à-dire, nous t'es capable de ça. Maintenant, toujours dans le mouvement suivant la verticale, il y a plusieurs autres questions parfaitement intéressantes là que vous allez poser nous. Je dis nous, quelle est la valeur de la vitesse au sommet de la trajectoire? La prochaine question, quelle est la valeur de la vitesse au sommet de la trajectoire? Bien, c'est là nous désignons de besoin de V. Dans le commencement de l'exercice là, quelle est la valeur de la vitesse au sommet de la trajectoire? Maintenant, d'abord, qu'est-ce qui caractérise le sommet de la trajectoire là? Mais sommet, mais c'est plus grand valeur là ou là, et plus grand valeur là, z plan, ou là, plus grand valeur z plan, suivant la verticale, ou là, dans l'extrême, dans le dernier bout là, ça veut dire côté rivé, il ne va pas monter encore, ou là, c'est la plus grande valeur, ou là, et z plan dans la hauteur ça. Pas de problème, maintenant, et fléchette là, prend la hauteur là. Maintenant, pour nous éviter ça, nous avons un bien fond logique. Maintenant, je vais lancer un morceau de créateur, puisque dans cet exercice, il a lancé une fléchette, etc. Maintenant, nous lancer cette fléchette là, il y a aller, et puis de mon côté, il y arriver, il commence à descendre. Mais côté l'arrivée, ça, sans ça veut dire pas qu'à monter encore. Ou là, ça, ça veut dire pas qu'à monter encore. Mais pas qu'à monter encore, veut dire que il n'y a pas de vitesse encore. Parce que l'MD lancé, il était bon en vitesse de 5 mètres par seconde. Il peut aller diminuer la vitesse. Il vient 4.9, 4.6, 4.1, etc. 3, etc. Jusqu'à ce qu'il vienne côté, il n'y a pas qu'à monter encore. Mais jusqu'à ce qu'il vienne en vitesse qui est nulle. C'est ça veut dire. Jusqu'à ce qu'il vienne, il n'y a pas qu'à monter encore. Mais donc, au sommet de la trajectoire, donc la vitesse est nulle. C'est que les vont côté pas qu'à monter encore, donc il est obligé de descendre, donc il n'y a pas de vitesse dans le point ça. Mais donc au sommet de la trajectoire, donc la vitesse est nulle. Là, au sommet de la trajectoire, la vitesse est nulle. Et maintenant, vous voyez que y égale à 0, 0 mètres par seconde. Au sommet de la trajectoire, la vitesse est nulle. Donc, et nous comprenons. D'accord. Et on déduit la date à laquelle la fléchette atteint le sommet de sa trajectoire. Eh bien, nous avons daté, oui, on déduit la date à laquelle la fléchette atteint le sommet de sa trajectoire. Maintenant, on sait qu'au sommet, la vitesse est nulle. Donc, sachant que la vitesse est nulle au sommet, donc on peut trouver la valeur de T. Donc, il suffit de remplacer dans cette expression-là sa vitesse par rapport à sa valeur. Donc, pas de problème. Donc, VY égale à 0 au sommet va nous donner quoi alors? Va nous donner 5 moins 9.8 T. Donc, en remplaçant la vitesse par sa valeur, donc on trouvera la valeur de T correspondant à cette vitesse-là. Donc, et 5 moins 9.8 t égale à 0. Donc en transposant, ça va impliquer 9.8 t égale à 5. Impliquer t égale à 5 à divisé par 9.8. Donc t, la valeur de t va nous donner 1.3 secondes. Et 0.51 de référence, 5 divisé par 9.8, c'est 0.51 secondes.
Maintenant, T, 5 divisé par 9,8, c'est 0,51. OK. D'accord. Maintenant, comment faire pour trouver la valeur de T correspond à la vitesse de 0? Donc, sachant que la vitesse est instantanée, c'est-à-dire on sait la vitesse à tout instant, donc en remplaçant la vitesse par sa valeur, on trouvera la date correspond à cette valeur. Donc, de même, nous avons demandé nous pour nous calculer la vitesse de T correspond à la vitesse de 4 mètres par seconde, lui. Donc, qui ça me fait? Là, on a passé V par 4. Ou là, donc je te demande un tour pour me baiter qui correspond à 3,8 mètres par seconde. Qui est le problème? Malgré là, je remplace la vitesse par 3,8 et puis nous avançons. Donc toujours, immédiatement que vous faites premier pas, toutes les questions, c'est remplacer des lettres par des chiffres et puis faire les applications numériques. Rien que ça. Maintenant, quelle est la hauteur H atteinte par la fléchette? Quelle est la hauteur H atteinte par la fléchette? Il y a un problème ou question ça? Non. Quelle est la hauteur H atteinte par la fléchette? On sait que dans combien de temps il atteint la hauteur ça? Ça devient l'extrémum. Dans combien de temps après combien de temps il atteint la hauteur ça? C'est après 0,51 seconde. C'est après temps ça, Et mais connaissant la quantité de temps où l'alité mette pour arriver dans le point ça, même quand on a une position, oui, nous avons une position parce que nous avons Z qui est instantané, nous avons la position qui est instantanée, c'est-à-dire à chaque instant on peut avoir la position, ou là à chaque instant on peut avoir la position. Donc connaissant T égale à 0,51 secondes, donc on peut remplacer là et on trouve la valeur de Z qui est là, là où on peut demander. Donc ça, la vitesse correspond. Correspond à l'extrémum, ce temps-là correspond à l'extrémum, et la valeur qu'on va trouver pour Z correspondra aussi à cet extrémum. Allez, donc Z2, pourquoi Z2 est ça? Et bien, donc, nous dit, calculons la hauteur H atteinte par la fléchette. Et nous allez, calculons la hauteur H atteinte par la fléchette. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Et bien, vous allez. Maintenant, connaissant T égale à 0,51 seconde, donc Z de T est égal à cette expression-là, donc Z de 0,51 va nous donner quoi? Alors, remplaçant T par 0,51 seconde, on va trouver 1,75 plus 5 à multiplier par 0,51 et puis moins 4 minutes à multiplier par 0,51 au carré. Maintenant, en faisant ces calculs-là, on trouvera Z2, 0,51, qu'on appelle H dans l'exercice, égale à 3,026 mètres. Donc, ce résultat-là nous semble bon. Pourquoi? Maintenant, H est égal à 1,75 mètres. Donc, il est bien logique que hauteur ça, les plus fort que 75 ans pour ça, parce que l'étalancé en hauteur de 75 ans, on a monté et on continue à monter. Donc, continue à monter hauteur par rapport avec le sol, donc l'équipe supérieure avec 75. D'accord. Maintenant, jusqu'à présent, on a avancé. On dit à quelle date la fléchette touchera-t-elle le sol? Ça sont l'autre sur les questions encore, vous me poser. Mais qui j'en voudrais faire pour nous répondre à la question ça? À quelle date la fléchette touchera-t-elle le sol? Donc, bon temps, rien de tonné. Est-ce que tu es. Bon. Donc, gambaye. Si, et question, tu as bien deux solutions. Par exemple, si nous te mettons au géopère là, sur le sol là. C'est-à-dire, si nous te mettons au géopère là, effectivement, si nous te mettons au géopère là, dans le sol là, et puis le mouvement est commencé à partir du sol, laisse H qui est égal à 0. Donc, nous avons un T qui est égal à 0 et un T qui va être égal à une valeur qui est demandée. Mais T égal à 0, logiquement, nous avons une valeur ça, l'italie pareil. Et qui ça? Parce que au sol, à T égal à 0, nous avons un T. Ou là, au sol, à T égal à 0, nous avons un T. Donc, si tu fois que deux valeurs là, donc, je vais interpréter les valeurs ça et je vais qui est qui est bon. Donc, à quelle date la fichette touche à tel sol? Maintenant, ça veut dire sol là. Qui ça sol là va nous présenter pour nous? D'abord, chaque question posée pour répondre, pour comprendre qui ça veut dire. Maintenant, je vais lancer la fléchette là. Je vais lancer la fléchette là. Donc, il vient en hauteur maximale. Il commence à descendre. Et descendre, il gagne de vitesse. C'est-à-dire la vitesse augmente.
Donc, les lapins continuent de descendre, ils vont tomber, dans le sol là. Et mais sous sol là, ça caractérise le sol là. Mais sol là, il va dire, et mais donc, c'est hauteur ça. Parce que sol là, sous sol là, c'est mes origines repères là. Et mes origines repères là, ça veut dire que Z est égal à 0. Oui, Z est égal à 0. Parce que les montées, ils vont en hauteur maximale, ils vont descendre. Et mais descendre, ils tombent dans le point ça. Et mes abscisses point ça, c'est que Z est égal à 0. Ou là, les rivières là, la pointe 6, les rivières là, la pointe, les rivières là, c'est 1,75. Et bien, les descendre au sol net, puisque le gène repère là, est placé à O, donc Z égale à 0. Et bien, Z égale à 0, non, dans le gène repère là. Et bien, donc, immédiatement que je connais Z égale à 0, est-ce que je vais pas faire de data? Oui, je sais que la position est instantanée. Dire que la position est instantanée, donc à chaque instant, va correspondre une nouvelle position. Et de même, à chaque nouvelle position, va correspondre probablement une nouvelle date. Et bien, donc, Z. Au sol, qu'est-ce qu'on a au sol? Qui ça caractérise l'arrivée fléchette là au sol? C'est Z de T égal à 0. Et ça veut caractériser fléchette là au niveau sol là. Et bien, connaissant Z de T égal à 0, donc on peut trouver là, on peut trouver la date, donc 1,75 plus 5T moins 4,9T carré égal à 0. Maintenant, donc on a une équation. Et on a une équation second degré à résoudre, d'inconnu T. Donc il suffit de calculer delta, disdata, etc. Donc on va trouver quoi? Alors 4,9 T carré en multipliant par moins 1 est égal à moins 5T, moins 5T, moins 1,75 égal à 0. Donc en prenant racine de delta c'est tout simplement racine de B carré qui c'est 25, moins 4AC, donc moins par moins plus 4,9 en multipliant par 1,75. On va avoir racine de delta, ça va donner 25 plus cette valeur-là, donc c'est 7,7. Racine de delta va donner 7,7. Maintenant, deux valeurs de T sont possibles. Pourquoi? Parce que delta est supérieur à 0. Maintenant, on va interpréter, puisque vous demandez à quelle date, donc, il va mettre le pluriel. Probablement là, c'est une cap bon. Donc, on va regarder. Mais T, une valeur de T, à cause qu'on a moins B, c'est-à-dire 5. Moins radical de delta, c'est-à-dire moins 7, divisé par 2a, 2 fois a, c'est-à-dire 9,1. Maintenant, cette valeur-là, puisque 7,7 est supérieur à 5, donc cette valeur-là va être inférieure à 0. Maintenant, est-ce que en physique, ça a un sens et temps négatif? Non, pour ça. Parce que l'aime va commencer ce problème, nous dit que nous commençons ce problème-là à l'instant t égal à 0, ça veut dire que l'aime lancé une fléchette-là à hauteur de 1,75, de colombétrie l'aime à t égal à 0, mais tout le temps qui peut venir après, est supérieur à 0. Donc, et cette valeur-là est à rejeter. Maintenant, la nouvelle valeur de t qui est t seconde, donc c'est moins b en résolvant cette équation-là. Donc, deux valeurs sont possibles puisque delta est supérieur à 0. Donc, moins B, c'est 5 plus radical de delta 7,7 à divisé par 2A. 2A, c'est 2 par 4,9, c'est 9,8. Maintenant, 5 plus 7,7, c'est 12, c'est 12,7. 12,7 divisé par 9,8. Maintenant, ça va nous donner 1,3 secondes. D'accord? Donc, à quelle date la fléchette touchera-t-elle le sol? Donc, c'est effectivement à t égale à 1,3 secondes.